Hello tout le monde! On se retrouve pour la partie 2 de mon Ibu Banjo. Je vais allumer ma tablette là. Bon. Sûr que la luminosité est au maximum. Parfait, parce que là, Cachou est allé jouer avec ça tantôt. Donc aujourd'hui, je l'avance. J'ai pas d'objectif, l'exemple, je vais me rendre jusqu'à tel endroit où. Attention! Toup, je vous rapproche. Vous êtes sûr que vous voyez bien? Parce que là, c'est buggé sur mon téléphone, j'ai comme pas de retour. D'image, donc j'ai aucune idée si vous voyez bien ou pas. Oui, on voit bien, on voit bien. Bon, je sais pas pourquoi là ça a bugué sur mon téléphone, mais bon, des choses qui arrivent, hein, la super technologie. Je vais y aller. Ah, c'est revenu avec les petits dés. J'en ai quand même quelques-uns à venir faire ici. J'avancerai peut-être pas une super grande superficie cet après-midi, mais bon, je vais essayer d'en faire quand même une bonne partie, tout simplement là, parce que c'est ça, je suis sur la fin de la journée. Je vous cacherai pas, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui, grosse journée encore, il a fait chaud là, quand il fait chaud là, oh là 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 là. Et puis c'est ça là, je m'en vais voir Miko, voir si tout est correct là, je m'en vais le aller lui porter de la nourriture, aller le nourrir un petit peu. Donc, je vous donne de ces nouvelles-là. Il va très bien. Il est bien où est-ce qu'il est là. Il est vraiment là, en sécurité. Ça, je peux pas, je pourrais pas avoir une meilleure place, là. Il n'y a pas de prédateurs. Il n'y a pas. Puis, c'est ça, là. Il reste vraiment là, dans cette petite cabane. Et puis. Il est bien, parce que toutes les fois que j'y vais, là, il se réveille, il s'étire, il baille, tu sais. Oh non, c'est vraiment cute, là, tu sais. Quand j'y vais le soir, là, je m'en vais le déranger, là, tu sais. Je m'en vais le réveiller, là. Donc, ça me rassure, là. Ça veut dire qu'il est vraiment bien où est-ce qu'il est, là. Donc, j'ai fait un bon choix. Je l'ai mis, là, au bon endroit. Puis, il y a une petite rivière près, en plus. Il y a toujours de l'eau et tout, là, ouais. Il est gras dur, comme qu'on dit. Puis là, c'est ça, là. J'ai comme ma petite routine, là. Je m'en vais toujours passer, là, le restant de ma journée avec lui. Tu sais, être sûr que tout est correct. Joue un petit peu avec aussi, hein. Je vous cacherai pas, là. Tu sais, je le prends et tout, là. C'est ça, je m'ennuie. Donc, j'attends tout le temps avec impatience, là, la fin de la journée. Pour aller voir mon petit Miko. Écoutez, il a vraiment. Il a changé, là. Il a grossi, là. Parce que bon, je le garde pas mal, là. Je veux qu'il engraisse. Donc, il a de la bouffe à volonté. Il mange pas de moulé. Il veut rien savoir. J'ai essayé chien, chat. C'est une bonne chose parce qu'en même temps, dans la nature, il n'y en a pas de moulé. Donc, il faut. Qui mange autre chose, il mange des insectes là. Il a pogné une sauterelle là. Oh my god. Il a fait la passe. Sinon, je lui donne ouais, c'est parce que là j'ai un blanc, des verres de farine séchée. Ça là, il adore ça. Ça habituellement là, c'est plus là, pour les poules là. Les poules adorent ça, ceux qui ont des poules pondeuses à la maison, l'exemple là, vous pouvez acheter un sac de ça là. Le premier sac je l'ai acheté en animalerie, c'est vraiment un essai que j'ai fait, je savais pas si y aller, mais ça ou pas. Puis oh my god, hey, c'est vraiment là de ça qu'il se nourrit. Puis dans la nature, les ratons anyway, ça mange des insectes, donc c'est vraiment là, tu sais, ça le dépayse pas, puis ça il montre un peu quoi manger. Là. Ça l'allume beaucoup plus là, que si je donnerais de la moulée, exemple. Je donne beaucoup plus de chance là, en le nourrissant là, comme que je fais l'eau. Là. Bon, j'ai de la misère avec mon placement. Ça glisse, ça glisse, ça glisse.
Bon, les petits N, là, c'est un autre turquoise. Bon, il y en a volé un. Ici, toi. Tiens. Donc, c'est ça. J'ai des journées quand même assez remplies. J'ai des choses à faire, beaucoup quand même, ces temps-ci, là. Et puis, je profite de ma journée. Je vais marcher quand même beaucoup. Je profite du soleil. Puis là, en plus, là, toutes mes fins de journée, là, je vais passer quelques heures, là, avec Miko. Donc, c'est ça. Écoutez, les journées défilent, là, c'est incroyable. Ce qui fait que j'ai quand même vraiment moins de temps pour faire du diamond painting ces temps-ci. Mais c'est pas grave. Je vais quand même vous mettre une vidéo à tous les jours. C'est ça, là, je vous dirais, là, je fais pas mal ça au jour le jour, là. T'sais, avant, j'avais quand même un peu de vidéos en banque. On est tous un peu comme ça aussi, là. On fait quelques vidéos. Des fois, on en a deux, trois d'avance, là. S'il y a des journées qu'on n'a pas le temps de quoi, mais t'sais, on peut en mettre en ligne quand même. Donc, c'est ça, je vous le cacherai pas, là. Moi, en postant une vidéo à tous les jours, j'avais tout le temps à peu près une semaine d'avance, là. C'est-à-dire, là, t'sais, toujours, là, entre 6 et 8 vidéos, là, t'sais, comme en banque, là. Que, t'sais, bon, s'il arrive quoi que ce soit, là. Que, t'sais, je peux me débrouiller avec ça. Puis là, oh my god, si j'en ai une d'avance, t'sais, c'est bon, là. J'en ai vraiment pas beaucoup. Mais bon, ça, c'est juste ces temps-ci. Ça va changer, là. Parce que, bon, je pense pas non plus que Miko va rester là éternellement. Puis, anyway, à l'automne, ils s'endorment, les ratons, là, pour l'hiver et tout. Donc, tu sais, c'est sur le temps là, que ça se place. J'ai d'autres rendez-vous et tout aussi. Le temps que toutes mes choses se placent un peu, je vais avoir un petit peu moins de temps, mais c'est pas grave. Je changerai pas mes habitudes comme je vous dis, là, c'est ça. Je vais rester quand même à une vidéo à tous les jours. C'est juste que la seule différence qu'il va avoir, c'est que ça se peut que, bon, parfois les vidéos soient moins longues, comme ça va être le cas aujourd'hui. C'est ça. Je vais faire ça sur le side un peu, puis donc c'est pour ça, là. Mais bon, en même temps, c'est ça. Toujours des vidéos d'une heure. C'est le fun des fois d'en avoir des un petit peu moins longues. Il commence à avoir quand même beaucoup de chaînes, pareil, là, de Diamond Painting. Donc, ça va vous donner une chance aussi en même temps d'aller écouter d'autres vidéos. Ici, ça fait beau, hein? Waouh! Ça fait vraiment différent parce que je suis habituée, moi, avec des diamants ronds, là. C'est vraiment pas pareil. C'est pas plus compliqué à poser, là, aucunement. C'est juste que le fini est vraiment pas pareil. Puis, ça. La colle. Et quand même pas si pire. Je peux aller jouer un peu avec mes diamants si j'en ai posé un peu croche. Ça, c'est quand même bien pour me pratiquer avec mes carrés parce que c'est ça, j'attends des persos avec des diamants carrés, là. Il va falloir que je me pratique. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Hein. Quand on est habitué avec les ronds, l'espace qu'on a, on s'enligne dans le milieu. On se casse pas trop la tête. On y va vraiment. Ça se fait machinalement, là. Ouais. Mais là, avec des carrés, ça prend un petit peu plus d'attention. Faut un petit peu plus regarder ce qu'on fait. Bon. Bonjour, Madame Minnie. Ne viens pas sauter sur mon diamond painting. Elle, là, faut la surveiller. Petite tannante. Des petits numéros 4. J'en ai quelques-uns. Non, Minnie. C'est pas le temps. Elle est à côté de moi, là, puis elle me regarde, là. Oh là 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 là. Ça paraît, là. Ça lui tente de me sauter dessus ou de sauter sur mon bureau, là. Et voilà, c'est fait. Minnie, non, pas de poils sur le diamond painting, mon bébé.
Tantôt, je voulais la prendre, puis elle faisait juste se pousser, puis elle voulait pas se faire prendre. Puis là, à cette heure que je suis occupée, que je fais quelque chose, là, elle veut se faire prendre. Non, 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 non. Hey, là, elle me niaise. Donc, c'est vraiment toutes des teintes de turquoise. Hein? J'avais pas du tout retouché à la toile là, depuis la première partie que je vous avais montrée. C'est ça, là, comme je vous expliquais, par souci de temps un peu, là, j'avais vraiment pas. Donc, vous comprendrez aussi là, que même chose au niveau de mes autres toiles. D'habitude, j'ai souvent là, des bonnes avancées entre chaque, là, mais là. C'est ça, ces temps-ci, là, aussitôt que je vais avancer une toile, je vais sortir ma caméra. Donc, habituellement, il y a des toiles là, que je fais, bon, pas plus que tant de parties, exemple, ou quelque chose comme ça. Là, je vais peut-être faire un petit peu plus de parties qu'à l'habitude pour des toiles, là, mais ça va se replacer, là. Je suis sûre que vous m'en voudrez pas. Donc, les petits F, un petit beige. J'en ai quelques-uns en ligne. Ici. J'ai fait le saut. J'étais concentrée à aligner là, mes petits carreaux là. Un beau petit beige. J'haïs pas ça, faire des diamants carrés, ça change de l'habitude, ça fait vraiment différent. Ensuite, j'ai des petits numéros 5 ici. Encore un super turquoise, mais vraiment couleur. Ouais, turquoise, là, mais vraiment pâle. Là. Voilà, pastel, pas mal. Merveilleux. Wow. Je m'y suis mal pris un peu là. Bon. J'ai des petits S à faire. J'ai beaucoup de petits K. Je vais aller faire mes petits K en premier. Ici.
Donc les petits cas, un peu une couleur terre si on veut. Mais ça sort drôle avec, avec le plateau jaune. Donc les petits cas, j'en ai ici. Pour ceux qui ont de la difficulté à faire des carrés, là, avec de la pratique, là, vous allez en venir à bout, là, sans problème. Hey! C'est difficile faire une vidéo. C'est difficile d'avoir du temps pour soi ces temps-ci. Je vous dis là, oh my god. Je pense que j'ai plus le petit cas. Je les ai toutes faites. En effet. Parfait. Ensuite, les petits J, j'en ai juste deux. Je vais y aller dedans. C'est un petit rosé un peu, là. Tiens. C'est les petits J. Comme ça, est-ce qu'il y en a un autre? Non. Donc, je vais la remettre dedans. Ensuite, chez les petits H, il y en a seulement 4. Donc, les petits H, c'est un petit gris pâle. J'en ai seulement 4 aussi à faire. Voilà. Ensuite, les petits numéros 6. Un petit gris, mais une petite affaire plus foncée. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai seulement 5 à faire. Bon, j'en ai fait tomber beaucoup trop. Je vais juste venir combler un peu des petits trous. Voilà. Ensuite, j'aurai des petits S. Beige brun un peu là. Donc j'en ai quelques-uns. J'ai quelques petits S. Question là, encore une fois, de venir boucher les petits trous. C'est de faire ça un petit peu plus uniforme. Pour être sûr que la colle ne sèche pas, d'habitude, je fais mes toiles quand même assez rapidement. Puis là, c'est ça, ces temps-ci, vu que j'ai un peu moins de temps. Je voudrais juste être sûre et certaine qu'il n'y arrive à rien. Mmh.
Bon, tant qu'à en avoir 4 dans le plateau, je vais les mettre. Voilà. Ensuite, il y aura un petit E ici qui me fatigue. Un petit E, c'est un beau petit mauve. Donc, j'en ai un ici, puis j'en ai un dans le bas aussi. Tiens, ça, ça va avoir été fait. Puis j'ai un petit D aussi là, qui m'énerve un peu. C'est du turquoise. Là, probablement que je l'ai tout simplement oublié parce que j'en ai fait au début des petits dés. Voilà, donc c'est ça. Je vais sûrement l'avoir oublié. Maintenant, je vais terminer avec... J'ai un petit M à venir faire. Un petit jaune. Jaune beige, là. Bon, j'en ai seulement besoin de un. Il est ici. Et puis, je vais terminer avec les petits numéro 3. Petite couleur caramel. J'en ai quelques-uns. C'est vraiment couleur caramel. Et voilà. Donc, c'est pas plus long que ça. J'ai pas avancé en fou non plus, mais bon. Je suis quand même venue en faire un beau petit bout. Hey, hein? C'est cute, ça. Faites attention à ceux qui ont mal au cœur. Donc, voilà, là. Ça donne vraiment un beau fini. Hein? Avec les carrés, c'est vraiment pas pareil comme avec les ronds. Donc, voir la toile en entier. Et puis là, là si je la regarde, là, on voit bien ce qui est fait. Ça brille. C'est vraiment plus uniforme. C'est vraiment joli. Ça fait vraiment pas pareil qu'avec les ronds. Donc, voilà mon beau petit hibou patcho. Donc, c'était tout pour moi avec vous pour la partie 2. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, je vous dis à demain. Et sur ce, moi, ben, je m'en vais porter de la nourriture, des bons petits verres de farine à bébé Miko. Donc, je vous redonne de ces nouvelles bientôt. Bye bye tout le monde. À demain.